Salut tout le monde, c'est Legender, comment ça va vous? Moi ça va super bien, je pète la forme. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Rouge Feu, les aventures de Red. Nous étions arrivés dans les îles Écume à la recherche d'un autre Pokémon. Mais ces îles Écume ne vont pas être très facilement franchissables. Il va nous falloir les explorer avant d'en venir à bout. Et pour cela, rien de mieux que comme nous sommes équipés. Notre équipe est en parfait état de combat. Et plutôt haut niveau, je dois dire, je me sens beaucoup mieux avec des Pokémon niveau 30 que des Pokémon niveau 36, niveau 40. En fait, 40 c'est le cap. Une fois le niveau 40 passé, ça va assez vite. On monte de niveau, on s'en rend plus trop vite, on s'en rend plus trop compte. Donc ici on a un rocher. Techniquement, d'après mes connaissances, il faudra l'envoyer en bas. Et pas tomber avec. Mais s'il y a un autre trou ici, c'est bien pour qu'on l'envoie en bas. C'est pas pour rien. Donc, au moins, ça c'est fait. Ah bah s'il y a un autre trou ici, ainsi de suite les amis. On s'occupe de ce rocher en premier. Ah, c'est bien ce que je me disais. C'était nécessaire. Danger, rapide. Non, c'est des lentes. C'est sale comme appellation des lentes quand même. Je me rappelle être resté bloqué dans cette grotte pendant un long moment. Oh, regardez-le! Il est en haut à gauche. Vous le voyez? Ses petites pattes. Mais y accéder ne sera pas aussi simple. Hyperbole. Laissons capturer Notaria. Bah, elle s'est endormie. On va y aller. Hop. Nosferatu, on l'a déjà. Les rochers peuvent faire changer le niveau de l'eau. Bah oui. Je crois que c'est pourquoi qu'on est en train de les pousser. Ici, il n'y en a pas des nouveaux. Par contre, ici, il y a matière à travailler. On va s'en occuper. Parfait. Lui, on peut pas s'en occuper tout de suite. Psychoquack. Tout de suite, le fait chaud. En plus, je sais comment le faire évoluer. En aquaquac. Grande perle. Rappel. Repousse, 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 repousse. C'est un cul de sac. Et ici, un trou à rocher. Voyons où ceci nous amène. Antigel. Éventuellement très utile. Un rocher à pousser. Obligatoirement utile. Non! J'ai fait une très grosse connerie les amis. Ah bah non, on est directement ici. Enfin!
On peut circuler ici librement. Et donc du coup, on a débloqué le passage rapide pour aller à cette grotte. Sac, max 3 pouces. Hop. Bon. C'est pas tout ça, mais on n'est pas encore arrivé à trouver comment comprendre comment fonctionne cette grotte. Je dirais que ce chemin est la clé de la compréhension. J'invente des mots, je m'en bats les couilles. Non, on va pas passer par là, on va aller voir ce qu'il y a ici. Vous comprenez l'achat intempestif de Max Repousse? Je pense que oui. Tout devient clair. Pour vous. Maintenant. Yahoo! Motherfuck! Yeehee! Hey, on a libéré le courant ici. Absolument pas. Et si on a arrangé un rocher sur deux? Il y a quelque chose à faire avec ces rochers. Attendez, je crois que j'ai fait un lien. D'accord, absolument pas. Pierre O. Utile à un des Pokémon qu'on capture dans cette grotte. Si je vous dis que je suis perdu, vous vous moquez de moi, pas vrai? J'ai pas suivi de plan logique pour explorer cette grotte. Et voilà où ça mène. Parce que je sais qu'on a quelque chose à faire avec les rochers qu'on a en bas là. Il y a forcément quelque chose à faire avec, faut pas croire. Mais la question est quoi ? Ces rochers là. Sont pas là par simple hasard. Est-ce que vous pensez que d'accord, c'est bon, j'ai fait lien. D'accord, si on pousse celui-là ici, on peut donc voilà. Et accéder ainsi à ce cher Articodin. Donc, pour le capturer, rien de mieux que notre cher ami Kebab. Et sauvegarder la partie. Les amis, même histoire que pour Alector. Je vais certainement devoir redémarrer l'émulateur si jamais on ne le capture pas. Dans ce cas précis, n'hésitez pas à avancer la vidéo, car si jamais elle se voit dépasser les 20-25 minutes que je me mets en général comme limite, c'est uniquement parce que j'ai galéré à la capture de ce Pokémon, donc n'hésitez pas à avancer dans la vidéo, et moi j'aurais peut-être pas besoin de redémarrer l'émulateur, il me semble que je peux reset avec ce bouton ici, là, fichier, et aller dans reset, je sais pas si vous pouvez le voir vous, mais en tout cas, on va s'atteler à la capture de ce Pokémon. Yahoo! Et c'est parti! Articodin sauvage apparaît! Un Articodin sauvage apparaît! Kebab à toi! Baillement! L'irresprit, qu'est-ce que c'est? Sauvage vis kebab. Ok. On va l'endormir et vite.
Donc, il est type glace. Case Break est normalement efficace contre lui. Absolument pas. Il en a dans le ventre. Un dernier Case Break. Parfait. Plus besoin de le toucher. Hyperbole. C'est parti. Ah, et allez, on le capture. Merde. Il va utiliser Hâte. Bah, il ment. Ah, la galère infinie de capturer un Articodon. Je me rappelle que c'était le plus chiant. J'ai passé une semaine entière à essayer de le capturer. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu de chance. Et au final, je l'avais attrapé avec une filet bol. Je me rappelle très bien. J'en avais une sur moi et par chance elle avait capturé Articodon. La filet bol de la survie quoi. Ah, petit fourbe. Ah là là. Ah mais il nous l'a gelé. Carrément. Oh là là. On peut pas utiliser bâillement pendant qu'on est gelé. Oh, en plus on a plus de bâillement. Enfin on peut pas utiliser repos pendant qu'on est gelé. On n'a pas eu Articodon les amis. Reset de l'émulateur. Reset. Voilà. On se retrouve une fois de plus devant et c'est parti. Et pourtant, l'autre là, Alector, on l'a eu avec une super balle je crois. Je suis pas sûr, je me rappelle plus si on avait acheté les hyperboles ou pas pour lui. Il me semble que si on avait quand même des hyperboles. Bah en tout cas, on l'a eu avec une super balle il me semble. Donc éveillement. Bon, par contre, on devrait l'affaiblir avant. Ça serait quand même mieux. Donc, on compte. 1, 2, 3, 4. Et il faut 4 trucs pour nous. Si on fait pas de coup critique. Oh, putain. Je me rappelle de toute manière, Articodon c'est le plus dur à capturer, c'est toujours ça. Oh. Allez, viens avec moi, Flure. On peut pas faire un combat plus mort que ça, il y a deux Pokémon endormis, on n'arrive pas à le capturer. Et on l'a pas eu. Encore Elector, je me rappelle. On n'a pas eu de chance parce que... Autant Elector, je me rappelle, on a eu de la chance parce qu'on l'a chopé avec la dernière Pokéball qu'on avait sur nous. Autant, je savais que... Je sais qu'Articodon, c'est le plus dur à attraper des trois. Je le sais. Mais à ce point, franchement, je peux vous assurer qu'il est très très long à capturer. Et là, on joue en accéléré. Alors imaginez pour un petit gosse qui joue à ça avec des Super Balls, c'est-à-dire... Une équipe qui se fait exploser en 2-2 par le laser glass d'Articodon. Et qui a pas la technique de l'endormir, de l'affaiblir et tout. Merde. Justement, parlant d'affaiblissement. On l'a eu. On a eu Articodon. Yeah. Oh, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Pff, ça déstresse d'un coup là.
Les données de Articodin sont ajoutées au Pokédex. Splendide. Il est l'un des Pokémon oiseaux légendaires. Sa longue queue flottant au vent laisse bouche bée tous ceux qui ont la chance de la percevoir. C'est dégueulasse. Oh non, sa longue queue flottant au vent laisse bouche bée tous ceux qui ont la chance de la percevoir. Double sens de l'extrême, quoi. Oh là là, oh, Articodin, petit cochon, hein. Regarde-le. Articodin. Non, Articodin a été transféré sur le PC de Léo. Il a été placé dans la boîte appelée boîte 2. Parfait. Parfait, je dois dire. Parfait, parfait même. Et on n'a pas utilisé toutes nos hyperboles. On l'a eu assez rapidement, là, sur ce coup. Bon alors, comme moi je suis un gros feignant, on va demander à Smoking d'utiliser le tunnel. Attendez, il me reste combien de temps pour cet épisode? Il me reste... Ok. Je vous prie d'être patient, disons environ 5 secondes. Les amis, excusez-moi, j'avais une très bonne raison. Je suis allé attraper mon téléphone parce que je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas un CT Laser Glass dans cette grotte? Avant d'en sortir, ça serait bien quand même, parce que soyons pas bêtes, imaginez on trouve tout ce qu'il nous faut ici, parce que ça serait bien, hein. Attendez, je recherche rapidement. Alors, CT Laser Glass Pokémon Rouge Feu. Ça serait bien, imaginez, on pourrait donner Laser Glass à notre petit Léviator. Donc. Il me semble que le CT Laser Glass, en fait, on ne puisse l'avoir qu'au casino. J'ai un très gros doute. Je suis en train de regarder d'ailleurs. Donc, Éclat Rock, Mitra Point, Laser Glass. D'accord, on peut l'avoir que au casino. C'est beaucoup plus clair comme ça. Tu veux Laser Glass? Démerde-toi. On a aussi que de fer au casino de Céladopol. Beaucoup de capacités qui ne seraient pourtant très utiles que de fer. Bon Burke. Tac. Donc, ça serait bien qu'on se débloque à un moment ou à un autre. Ce petit CT... Il y a aussi le champion de l'arène de Jadiel qui va nous donner un très bon CT pour notre Nidoking. Donc il n'y a pas de Laser Glass à récupérer quelque part dans le jeu de toute manière. Et en plus de ça, on sait maintenant qu'il n'y a aussi que de fer au casino de Céladopol, je l'avais oublié, et ça serait bien pour notre Léviator. Ah oui, on peut pas utiliser vol, donc tunnel. Voilà, fuir d'ici. Quand on n'a pas de corde sortie, on a un Nidoking. Yeah. Et on retourne ici. On va voir sauvegarder, bien entendu. On sauvegarde. Et les amis, il me semble que c'est déjà l'heure de se quitter. Mais on a capturé Articodin. Et on a visité les îles écumes. Bon, pour ce qui est de notre équipe, on n'est pas vraiment monté de niveau. Mais, comme on dit, le cœur y est. Voilà. En revanche, comme on va aller dans une arène, on va prendre la pièce rune de notre dracofeu, on va la donner à notre cher petit Léviator. Voilà, qui est équipé en conséquence. On ira voir les CT par la suite, parce que là pour l'instant c'est pas très important. Attendez, moi comme je stresse pour rien, je vais re-sauvegarder, voilà. Et je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode et cette capture d'Articodin qui s'est avoué réussi. Et j'en suis très content, et je vous souhaite une très bonne continuation. N'hésitez pas à partager ma vidéo, laisser un pouce vert et vous abonner, ça me fait super plaisir, ça me permet de me faire connaître. Je vous souhaite une très bonne continuation. Ciao, salut, à plus, yeah!